par l'anglais. Je ne comprends pas l'anglais. Nous allons peut-être attendre encore une ou deux minutes que les spectateurs nous rejoignent avant de démarrer ce webinaire sur le métier d'aide-soignante. Il y a plusieurs aides-soignantes. Et non, Non, je suis la seule. vous êtes l'invité VIP. Oh. Je vais démarrer tranquillement. Les personnes nous rejoindront à leur rythme. Donc, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir dans ce webinaire sur le métier d'aide-soignant qui est proposé par l'association OETH dans le cadre des journées indispensables, 3 jours du 14 au 16 juin qui sont consacrés à l'aide à l'emploi des personnes handicapées dans les métiers du médico-social. 3 jours qui sont constitués d'une quinzaine de webinaires et donc d'une vingtaine d'événements en région, sur le terrain, et qui visent à accompagner les employeurs à recruter sereinement des professionnels qui seraient en situation de handicap, mais également d'attirer et d'orienter des personnes vers les métiers de l'intervention sociale et du soin, tout en renforçant la coopération avec les prescripteurs et les accompagnateurs de l'emploi, le tout visant finalement à créer un écosystème vertueux pour avoir un impact positif sur l'emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur social et médico-social. L'association OETH, qui donc organise ces journées, pour rappel, c'est une association qui porte l'accord handicap du secteur sanitaire et social associatif depuis 30 ans et qui, à ce titre, développe une offre de services diversifiés pour accompagner les entreprises du secteur à répondre à un objectif ambitieux d'emploi des travailleurs handicapés. Voilà, donc 3 jours vraiment pleins de découvertes, on l'espère du moins, et d'inspiration pour les personnes qui seraient porteuses de handicap et qui se demanderaient quoi faire finalement, soit en formation initiale, soit en reconversion, pour venir en plus répondre à un secteur, s'insérer dans un secteur qui a vraiment cruellement besoin de bras et de bonne volonté. On en parle beaucoup, notamment en ce moment. Avant de vous présenter notre invité, je vous fais juste un tout petit point technique. Voilà, j'anticipe certaines questions que vous pourriez être amené à vous poser. L'intégralité de ce webinaire, comme tous les autres proposés lors de ces trois jours, sera disponible en replay et en podcast sur le site internet d'OETH. Vous avez toutefois, pour tous ceux qui nous regardent en direct, la possibilité de poser vos questions via la boîte QR qui se trouve en bas de votre écran. Et nous avons également une modératrice, Clémence Delagnol, que vous ne voyez pas à l'écran, mais voilà, qui essaiera de vous répondre, qui prendra vos questions en direct et notamment celles les plus fréquemment posées. Nous répondrons bien sûr à la fin de ce webinaire, si le temps nous le permet. Si jamais nous n'avons pas le temps et ou pas la réponse, bien sûr, nous mettrons les réponses dans une foire aux questions qui sera à disposition avec le replay et qu'on vous adressera par mail dans les tout prochains jours. Moi, je ne me suis pas présentée. Je suis Catherine Pirouet, je suis journaliste en spécialisée dans le secteur social et médico-social. C'est également le cas de ma collègue Clémence Delagnol, modératrice. Donc voilà, nous allons faire au mieux pour essayer de répondre à toutes vos questions et bien sûr vous donner envie de, comme Cindy, de devenir aide-soignante. Et voilà, ça va vous expliquer un peu ce que recouvre ce métier, ses richesses, ses éventuelles difficultés, notamment si on est porteur d'un handicap. Et surtout, voilà, comment on peut bien sûr s'y épanouir, quel que soit son profil initial. Donc, Cindy, je vous présente brièvement Cindy Deschamps. Donc, vous êtes aide-soignante en apprentissage au centre de réadaptation de Mulhouse, donc en Alsace. Oui.
depuis le mois de janvier 2021. Oui. Et voilà, vous allez finir votre formation le 30 juin prochain. Le donc, 30 d'ici juin. Quelques jours, vous serez diplômé bientôt. Une quinzaine de jours. Voilà, bah écoutez, ça tombe très, très bien. Donc, vous êtes vraiment entre les deux mondes. Et voilà, vous allez pouvoir nous parler un peu de tout ça, de la formation, du métier. Voilà, donc, vous avez, je crois, si on peut le dire, 38 ans. Oui, c'est ça. Bonjour voilà, à donc, tous. On peut le dire. Voilà. Donc, effectivement, voilà. Donc, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas votre. Vous n'avez pas fait ça avant, enfin, toute votre vie. Vous avez eu un parcours antérieur qui a été très, très riche, très diversifié. Riche, mouvementé, très diversifié. Oui, voilà, tout à fait. Vous avez fait pas mal de choses, m'avez-vous dit, en préparant un peu cette intervention. Très bien, oui. Vous pouvez commencer par nous raconter un petit peu par quelles étapes de formation, d'activité professionnelle, éventuellement d'aléas, vous êtes passé avant d'arriver à ce profil d'aide-soignante. Oui, mais d'abord, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Cindy, j'ai 38 ans, mariée, maman de 3 enfants. Alors, j'ai obtenu un CAP de vente, relations clientèle dans ma jeunesse, bien sûr. Donc, j'ai commencé par un apprentissage de vendeuse, une voie qui me plaisait beaucoup, mais qui n'était pas forcément faite pour moi. Plusieurs contrats ont été obtenus en tant qu'ASH dans des milieux hospitaliers, dans des maisons de retraite. Et ensuite, j'ai accédé à l'aide à domicile, un poste que j'ai occupé pendant plus de 6 ans. Voilà, je suis toujours restée dans l'aide, dans le service d'aide à la personne. Voilà. Et ensuite, un problème de santé est survenu. Donc, plein de portes se sont refermées, bien entendu. Une longue période d'arrêt maladie. Et en essayant de retrouver un poste, les portes se sont fermées parce que je devais prodiguer sur ma propre personne des actes médicaux, chose que je ne pouvais pas faire sur mon lieu de travail. Je décide alors de demander une reconnaissance de travailleur handicapé. Donc, j'ai eu l'obtention de la RQTH et par ce biais, j'ai été dirigée vers le CRM de Mulhouse où j'ai pu accéder à OA Santé. Donc, c'est orientation et accompagnement pour les personnes en présentant un handicap. Voilà. Le but, c'était de construire un projet professionnel solide sur le métier de la santé. Tout à fait. Et je crois que vous avez fait, lors de cette formation, plusieurs stages qui vous ont aidé à vous aiguiller finalement vers ce métier d'aide-soignant. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, très bien. Tout au long d'OA Santé, on a été dirigé vers plusieurs stages, comme vous l'avez dit, des petits stages de 15 jours, vraiment pour être sûr que c'est le milieu qui ne nous pose pas de problème par rapport à notre handicap, si on est bien en mesure de faire ce métier malgré notre handicap. Même si c'est un handicap invisible, hein, comme il y en a beaucoup, il a fallu vraiment des fondations solides pour accéder à la formation d'aide-soignante. Tout à fait. Et donc, vous avez finalement embrayé vers un contrat en apprentissage. Je crois qu'il est de 18 mois au lieu de 12. C'est lié à votre RQTH ou… Oui, alors c'est bien ça. Le contrat de… Donc, l'engagement de l'école d'aide-soignante en apprentissage se fait sur 18 mois. Donc, c'est différent du cursus complet. Le cursus complet, vous avez 12 mois de formation. Nous, on a 18 mois de formation. Donc, suite à l'apprentissage, on a un employeur. Pour ma part, c'est le centre de rééducation de Mulhouse au 3e étage, dans le service des cérébro-lésés. Voilà. Donc, vous m'aviez dit justement qu'il y avait trois niveaux différents, trois types de public. Il y a trois niveaux. Donc, le premier étage, ce sont toutes les maladies médulaires. Donc, vous avez beaucoup de tétraplégiques, paraplégiques, voilà, toutes les maladies qui touchent la colonne vertébrale, la moelle épinière, pardon. Le deuxième étage, ce sont des COVID longs, des traumatismes, voilà. Et le troisième étage, nous avons donc les cérébro-lésés. Voilà, les AVC, les ruptures d'anévrisme.
Le fait de travailler à ce troisième niveau, c'était un choix de votre part ou ça a été une orientation qui a été décidée en fonction Alors, peut-être de... l'orientation a fait que je me suis dirigée vers le troisième étage. Et mais bon, pendant ma formation, c'est très, très enrichissant par rapport à la connaissance, par rapport à tous les cas qu'on peut rencontrer. Pour moi, ça m'a beaucoup aidée. J'ai vraiment appris beaucoup au sein du troisième étage. Tout à fait. Voilà. Très, très bien. Vous m'aviez dit que vos journées étaient relativement cadrées, a priori. Il y Oui, a oui, oui. un horaire d'arrivée, il y a un déroulé assez fixe chaque jour. Est-ce que vous pouvez nous Exactement. raconter un peu si vous avez une journée type ou voilà, comment Alors, ça se passe? la journée type en pause du matin, donc on arrive dans notre service à 6h45. Donc, on prend en compte les transmissions. Donc, ça sera le moment des transmissions jusqu'à à peu près 7h du matin. Ensuite, nous avons la distribution des petits déjeuners, le début des toilettes. Toilettes, habillement. Ensuite, nous passons sur la réfection des lits. On intervient pour les besoins des patients hein, tout au long de la matinée. Et l'heure du repas, on fait la distribution des repas avec la vérification de tous les régimes bien indiqués. Et vers 14h, l'équipe d'après-midi nous rejoint et nous finissons par les transmissions pour donner le relais à l'équipe d'après-midi. Tout à fait. Comme vous êtes encore en formation, est-ce Oui. que vous travaillez en autonomie ou est-ce que vous avez, par exemple, un binôme avec un Alors, tuteur ou... maintenant, je suis presque totalement en autonomie. Mais de par le passé, quand vous avez débuté, ça a été progressif, Au cette début, autonomie? oui. Au début, ça a été progressif, hein, parce que c'est quand même un service, assez lourd. Donc, on doit vraiment veiller à ne pas faire d'erreur dans la prise en charge du patient. On doit vraiment, prendre soin. Voilà. Donc, au début, on a 3, 4 jours. En binôme. Et ensuite, quand la collègue valide, je perds mes mots, je Non, non, m'excuse, les continuons. attentes, on nous laisse en autonomie. Donc, à l'heure actuelle, en fin de formation, vous effectuez à Autonome. 100% le métier Oui, d'une aide-soignante, bien sûr, tout à fait. Tout à complètement. fait. Et quel est le rythme d'alternance que vous avez connu là, sur ce contrat d'apprentissage? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est réputé pour être difficile, ce rythme entre les cours d'un côté, au centre de formation, et de l'autre, bien sûr, le travail en tant que Oui, salarié? oui, oui. Comment ça s'est passé pour vous? Alors, c'est vrai que c'est un rythme très soutenu parce que on combinait 15 jours de cours, ensuite on avait 4 semaines de stage, 4 semaines de stage chez l'employeur, on revenait à l'IFAS. Donc, c'est vrai que pendant 18 mois, on a vraiment fractionné entre les périodes de présence à l'IFAS et chez l'employeur et à côté les stages validants où nous faisions nos 4 semaines en milieu hospitalier. Je me permets de préciser pour ceux voilà, qui n'auraient pas forcément l'acronyme en tête, l'IFAS, c'est l'Institut de formation Oui, d'aide-soignants, hein, bien aide-soignante, sûr. c'est bien ça. Tout à fait. Est-ce qu'il y a aussi des fois des moments où la journée n'est pas forcément aussi. Vous avez des surprises finalement? Est-ce que au-delà de ce cadrage qui est effectivement très, très minuté, il y a des impondérables, bien sûr, en fonction de la situation d'un patient, des Ah, choses mais qui peuvent faire que voilà. oui. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Chaque jour, on peut faire face à quelques difficultés, un état d'un patient qui se dégrade. Il faut vraiment, être vigilante. Donc, ça nécessite des qualités outre les qualités techniques, bien sûr, qu'on peut Ah, oui. apprendre à l'école d'aide-soignante, des qualités personnelles. Vous La diriez, voilà. bienveillance, l'observation, l'adaptation également. Une gestion du Il faut stress voir, aussi, peut-être, oui, voilà, qui. la gestion du stress et surtout l'adaptation. Il faut pouvoir s'adapter vraiment à chaque cas. Voilà. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier que donc vous avez choisi Oui. après un long parcours très différent? Oui. Vous avez l'air vraiment complètement épanoui. Ah oui, complètement. La communication est très importante dans ce métier.
Il y a la communication, il y a l'esprit d'équipe, il y a le travail en équipe. C'est vraiment... Voilà. Oui, ça c'est vraiment important de ne pas travailler seul. Oui. L'accueil de vos collègues, Oui, voilà. le rapport voilà, est vraiment Voilà. important et vous soutient au quotidien. Au quotidien, oui. Et le fait d'avoir une heure QTH, quelque chose que vous avez abordé finalement avec vos collègues, avec votre direction aussi, enfin, peut-être qu'ils étaient au courant du fait de votre formation spécifique, je ne sais pas, mais... Voilà, donc ils sont au courant hein, que je viens de l'IFAS du CRM. Donc les équipes restent très discrètes. Elles restent très discrètes, elles sont vraiment respectueuses. Elles ne cherchent pas vraiment à comprendre, mais j'en parle assez librement avec les personnes avec lesquelles je travaille, parce qu'il faut quand même avertir un minimum de personnes, mais tout en restant très... Voilà. Tout en restant très... Comment dire? Très vague. Tout en restant, voilà, ce qui compte, c'est vos compétences, votre Oui, dynamisme, voilà. votre envie. Et Exactement. voilà, effectivement, je voudrais juste revenir par rapport à votre formation en alternance. Vous me disiez aussi Oui. que vous aviez fait plusieurs stages techniques qui vous Oui. avaient notamment aiguillé dans ce choix. Est-ce que vous Oui. pouvez nous décrire un petit peu voilà, les différents Les services par lesquels différents vous êtes services dans passé, ce que ça vous a lesquels j'ai apporté? été. D'accord. Donc, j'ai pu faire un stage dans les soins palliatifs. Donc, le dernier maillon d'une vie, hein, voilà. À l'hématologie du GHR MSA, donc un hôpital sur Mulhouse. En réanimation chirurgicale, j'ai aussi pu effectuer 4 semaines de stage. Bon, le stage en EHPAD également. Donc, c'est vraiment des services techniques qui demandent beaucoup d'observation. C'est vraiment des super stages, quoi. Ça, c'est complémentaire. Vous direz la formation d'aide-soignante, qu'est-ce qu'on y apprend? Est-ce qu'elle est vraiment technique? Ou on a des fois l'impression qu'il y a une feuille, presque la moitié de technicité, et en effet, là, presque 50% aussi de compétences personnelles dont on parlait tout à l'heure, hein. Oui. Qu'est-ce que vous avez appris concrètement? Quels sont les soins techniques que vous faites aux patients et éventuellement dans quelle mesure vous assistez l'équipe, les infirmières par exemple ou... Oui. Ben, c'est vraiment un travail en collaboration avec l'infirmière. C'est vraiment main dans la main. L'infirmière nous guide dans nos actes. Voilà, nous explique bien Quel type d'acte en particulier vous êtes amené à pratiquer sur les... À aider à faire un pansement, à aider lors d'une aspiration trachéale. Donc, on est toujours en binôme avec l'infirmière et c'est vraiment un beau travail main dans la main avec l'infirmière. C'est de toute façon un binôme, voilà, c'est jamais un travail Non. seul, on fait partie d'une équipe de manière. Fait partie d'une équipe. C'est pour ça que pour moi, le travail en équipe, c'est très important. Une bonne cohérence au niveau de l'équipe, c'est très, très important. Tout à fait. Est-ce que vous avez été amené justement à avoir demander des aménagements de poste? Et notamment, vous parliez tout à l'heure du fait d'être que vous étiez obligé de pratiquer des gestes médicaux sur vous-même. Comment ça se met en place? Est-ce que votre employeur a été compréhensif sur ces questions-là? Justement, avec la RQTH, on est couvert hein, par rapport à ces absences qu'on doit effectuer pour des raisons médicales, pardon. Donc, on est protégé par rapport à ça. Après, sur le lieu de travail, tout est bien adapté. Il n'y a pas besoin de demander des heures d'absence. Tout est vraiment bien ciblé. Oui, oui, tout à fait. Encore une fois, le soutien des collègues Oui, est tout à fait. fondamental. Vous pouvez éventuellement, et vous avez à un moment, entre guillemets, un petit coup de mou, vous avez un petit souci, vous pouvez vous reposer Oui, sur l'équipe. les équipes sont très compréhensibles.
Et vous avez des points spécifiques avec votre employeur pour un intervalle plus ou moins régulier pour justement pour faire le point sur votre situation, vos besoins, vos attentes, notamment de manière spécifique par rapport à votre situation de handicap ou finalement vous avez le même entretien annuel que les J'ai le autres. même entretien annuel comme tous les autres. Oui, j'ai le même entretien annuel comme tous les autres. Tout Voilà. à fait. Et vous diriez que le fait d'avoir une reconnaissance de travailleur handicapé vous fait voir votre métier, les patients d'une manière un peu différente. Oui, bien sûr. Étant passée par un parcours assez complexe au niveau de ma santé, c'est vrai que je vais être toujours avec une bienveillance, mais ressentir également de l'empathie ou comprendre vraiment les patients qui sont dans cette difficulté par rapport à leur santé. Oui, Très tout à à fait. l'écoute, C'est toujours très à l'écoute. Donc ça, c'est plutôt finalement une richesse qu'un handicap au sens. Ah oui, ça c'est une richesse. Oui, c'est une richesse. Et je reviens donc sur l'IFAS parce que nos formatrices sont vraiment derrière Oui. nous. Voilà, on a de la chance d'avoir un superbe IFAS avec des formatrices toujours à l'écoute qui sont là également pour nous remonter, pour nous remettre un peu le pied à l'étrier quand elles sentent qu'il y a une petite dose de fatigue. Donc vraiment, on a un superbe encadrement. Voilà. Tout à fait. Oui, Il y a quelques c'est questions qui important commencent à nous... de le dire. Bien sûr, quelques questions qui commencent à nous arriver. Votre RQTH, dans quelle mesure elle a été un bonus, un plus dans votre parcours par rapport à votre recherche d'emploi, à votre formation? Est-ce Oui. que ça a été, parce que c'est considéré en général comme un soutien, on doit pouvoir l'évoquer uniquement si on en ressent l'envie ou le besoin et en aucun cas peser en... stigmatisé sur la personne. Oui. Alors, dans mon cas, ma RQTH m'a permis d'accéder justement à toutes les formations que proposait le CRM. Voilà. Et par ce biais, j'ai enfin pu m'orienter vers le métier que j'ai toujours voulu faire, le métier d'aide-soignante. Parce qu'auparavant, sans RQTH, les portes se refermaient. Il n'y avait pas moyen de me trouver un poste aménagé. Donc, c'est vrai que moi, ma RQTH m'a permis d'avancer et enfin d'avoir ma formation d'aide-soignante, d'accéder à la formation d'aide-soignante. Tout à fait. Vous diriez que votre parcours et vos soucis de santé vous ont quelque part plus boosté dans votre dynamisme, dans votre envie de rebondir, que vous Oui, disiez effectivement, vous avez 3 enfants, vous avez une vie derrière vous, vous ah avez des oui. choses. Il y a plein de gens qui n'ont pas forcément la reconnaissance de travailleurs handicapés, qui se disent, oh là, moi, ça va être compliqué pour moi, je vais pas me lancer Oui. là-dedans. Ça vous donne plutôt une force un petit peu quelque part. C'est une force. C'est une force. Et il faut jamais s'avouer vaincu. Il faut toujours aller de l'avant. Vraiment rester positive. Et oui, c'est vraiment une force. Vous parlez des fois un petit, vous abordez la question avec des patients, des usagers, même ça peut éventuellement, ça peut créer des liens supplémentaires, une compréhension, vous disiez un peu supérieure finalement quand on est Oui. seulement soignant, un peu extérieur Oui, à la fragilité des personnes qu'on encadre. oui. Alors, avec les patients, je n'aborde jamais le sujet. Je vais être honnête, j'aborde jamais le sujet par rapport à mon handicap, par rapport à ma situation. Je n'aborde pas ce sujet. D'accord, ça c'est de votre point, c'est une décision personnelle, Une ça décision bien sûr, personnelle, voilà. ce serait pas forcément un souci en soi. Et vu que ça reste un handicap invisible, en fait, on ne voit absolument rien. Donc, je ne ressens pas le besoin de partager ça avec mes patients. Bien sûr, Plutôt, je vais les booster pour que eux reprennent du poil de la bête, comme on dit, à rester positive et à toujours les encourager à aller de l'avant. complètement. Voilà. Vous avez effectivement un handicap invisible, comme vous le disiez très bien, et c'est le cas de 80% des handicaps. Oui. Est-ce qu'il y a des types de handicaps qui, selon vous, seraient quand même plus difficilement compatibles avec l'exercice de ce métier d'aide-soignante? Alors, bien sûr, je pense que certains handicaps ne sont pas compatibles avec cette formation.
On prend maintenant l'exemple d'une personne à mobilité réduite qui se trouve en fauteuil roulant. C'est vraiment un handicap. Oui, Voilà. parce que les structures ne sont pas forcément encore déjà équipées, enfin, accessibles, Oui, même bien en dépit de la loi, ça reste encore des fois compliqué. Et puis ça voilà. alourdit bien sûr Et puis le les. métier nous demande quand même une porte de charge. Je veux dire, Mais oui, on a quand voilà. même vraiment besoin de. Voilà. Non, c'est vraiment. Je pense que ce n'est pas compatible. Justement, c'est une des questions qui nous est posée aussi. Les principales contraintes au quotidien pour vous, c'est plutôt les horaires, la fatigue, le rythme, les difficultés Alors, spécifiques des patients, voire en effet les tensions qu'on connaît sur ces secteurs-là en matière de actuellement, c'est personnel. surtout la tension par rapport au manque de personnel. Mais oui. On va pas, voilà. C'est vraiment la tension par rapport au manque de personnel, hein. C'est vraiment le problème actuel, hein, qu'on rencontre lors des stages et dans tous les services. Ça amène à faire des heures supplémentaires, ça amène à avoir des horaires un Aider un peu. maximum, voilà. Oui. Donc c'est pour ça, faut pas hésiter à postuler dans ce domaine-là. Clairement. Une des questions également qui nous est remontée, c'est la question de la rémunération. Est-ce qu'il y a une rémunération pendant la formation d'alternance et de quel niveau elle est Tout à fait. La formation est rémunérée par rapport au contrat d'apprentissage, bien entendu. Oui. Donc, par rapport à la rémunération, elle différencie selon l'âge, donc de Oui, tout à l'élève. fait. Voilà. Mais c'est sur la base du SMIG. C'est sur la base du SMIC, tout à fait, un C'est pourcentage, un effectivement, pourcentage de la base du SMIG. Voilà, tout à fait. qui permet le maintien au moins temporaire de l'allocation adulte handicapé. Si jamais vous en bénéficiez, je ne sais pas si vous avez Alors, cette. moi, je n'en bénéficie pas, mais elle est conservée. On conserve. Après, il y a une certaine clause par rapport à cette prime. Là, oui, là, je ne suis pas trop en mesure de vous le dire parce que je ne Oui, ça bénéficie pas. dépend des cas particuliers, Oui, effectivement. Mais voilà. Je globalement, pense que c'est effectivement, du cas par cas. c'est une question qui peut Oui, intéresser beaucoup il peut de être spectateurs intéressant. qui bénéficient de l'AAH et qui hésiteraient peut-être à se lancer en se disant, tiens, si c'est dommage de tout perdre. Oui. Bien sûr. Ce manque de personnel, concrètement, il induit quoi? Est-ce que vous avez des exemples concrets sur la lourdeur de votre quotidien, selon certains jours, les Oui. choses que vous pouvez être amené à faire qui n'étaient pas forcément dans votre fiche de poste ou qui alourdissent vraiment les choses. Oui. Bah, le changement, c'est surtout le changement d'horaire hein, qu'on rencontre, le changement de poste également, les plannings qui changent constamment pour éviter de nous retrouver seuls dans le service. Voilà. Oui, complètement. Oui. C'est plus pour l'organisation du service, quoi. C'est vraiment le problème actuel. Bien sûr, c'est et en tant que justement élève étudiante en apprentissage, donc vous êtes une partie du temps à l'école. Oui. Qu'est-ce qui est le plus difficile finalement? Ben, c'est d'étudier les cours, de faire les examens, les partiels, etc. Ou en même temps, comment on jongle aussi matériellement, psychologiquement entre les deux? Parce que c'est un peu le grand écart. C'est le grand écart, effectivement. C'est le grand écart. Après, chaque période est riche par rapport aux connaissances. Je veux dire, aussi bien à l'IFAS, nous passons les temps, ben justement, les temps de révision pour valider tous les modules qu'on a validés. Oui. Voilà. Et le temps de stage, c'est un peu plus stressant parce que ben, c'est pareil, on est évalué à la fin du stage. On a un bilan mi-stage qui est fait. Et à la fin du stage, on a vraiment la validation des 8 modules de compétences. Oui, c'est ça Donc, demande. c'est vraiment. Voilà. Vous Des deux travaillez le côtés. soir, du coup, enfin, vous travaillez des Oui. fois chez comment vous gérez tout ça, Oui. c'est. Ben, il y a un travail personnel qui doit être fait pour vraiment bien réussir. Moi, je sais que mon temps de travail, c'est vraiment le soir quand les enfants sont couchés. Voilà. Je passe mon Alors temps que vous après. commencez très tôt le lendemain, Oui. finalement, Oui, c'est c'est vrai. Oui, oui. c'est vrai. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. C'est ce qu'on dit. Ah mais ça se voit que vous aimez votre métier et Oui, ça fait vraiment plaisir. oui, Parce qu'effectivement, on sait qu'il y a certaines difficultés d'ordre structurel au oui. niveau Oui.
à l'embauche, enfin, au nombre de personnes, mais Comme on l'a dit effectivement, juste celles avant, qui sont c'est sur le vrai. terrain sont Voilà. particulièrement dévouées. Oui, comme on l'a dit juste avant, c'est un travail d'adaptation. Mais complètement. Et vraiment, le temps de l'IFAS, nos formatrices sont vraiment derrière nous. C'est Elles vraiment nous essentiel. C'est toute une aident. chaîne, Oui, oui, oui. finalement, d'aide et de contact Complètement. personnel qui fait Complètement. que tout se passe bien et effectivement. Complètement. Parce qu'il faut savoir qu'au début de la scolarité, quand vous rentrez à l'IFAS, en fait, déjà, vous êtes un peu démoralisé parce que vous avez un problème de santé qui vous a un peu mis à terre. Une perte de confiance, c'est sûr que vous l'avez. Et ces formatrices-là qui sont autour de nous, qui nous relèvent, qui nous redonnent confiance et qui nous disent, rien n'est impossible, il faut y aller. Et grâce à elles, on avance, on réussit notre année de scolarité, nos stages. Et voilà, je suis à 15 jours de la fin. Bah vraiment bravo. Voilà. Et quelqu'un qui serait intéressé justement par ce métier, vous lui commencez de commencer par quoi? Vous conseillez de commencer par quoi? Alors, Parce que c'est vrai que souvent ils sont un peu noyés, je veux bien le faire, oui. mais je ne sais pas quoi faire, à qui m'adresser. Alors, par rapport à mon parcours, je les invite vraiment à vous diriger vers OA Santé, parce que c'est vraiment le premier maillon de la chaîne qui vous permet vraiment de mettre, concrétiser votre projet professionnel sur des bases solides. Et à partir de ce moment où vous intégrez OA Santé, vous serez dirigé pour la formation d'aide-soignante. Donc, vous, voilà, c'est vraiment. Un dispositif vraiment 100% calibré pour répondre à ses besoins Pour répondre à ses besoins. et de tout âge, bien sûr, de 18 Ah à l'âge de la oui. retraite, je Ah pense. oui. Vous pouvez vous engager quand vous voulez. Voire même, je ne sais pas si je dis 18, mais peut-être certains métiers, peut-être commencer à recruter à 18, à 16 ans, mais en fonction Ça, je ne professionnelle. suis pas en mesure de vous Mais dire, c'est mais vrai que c'est voilà, ça peut oui. sembler un peu jeune, mais beaucoup de personnes sont en reconversion, un peu comme vous, je Un pense, peu hein. comme nous, oui. C'est beaucoup de reconversion professionnelle. Oui, c'est bien de préciser, on ne pense pas forcément au métier du Ah médico-social quand on est très jeune, oui. mais peut-être parce qu'on se dit qu'on manque d'eau bouteille aussi, je ne sais pas, ou a fortiori si on a des problèmes des soucis de santé, mais. En fait, il y a vraiment un besoin et un accueil à bras ouverts pour un accompagnement qui est fait pour que tout se passe au mieux. Complètement, complètement. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression que ce handicap vous donne vraiment quelques habiletés, quelques compétences on a déjà un peu parlé, mais notamment relationnelles qui peuvent éventuellement compenser s'il y a, par exemple, une petite faiblesse pour des raisons de santé, encore une fois, sur les points techniques, parce qu'en effet, c'est un métier, c'est un profil qui fait un tout, Oui. pour Alors, vous comme pour d'autres, je ne sais pas. j'ai toujours eu une petite facilité d'approche avec les patients, même quand j'occupais mes postes d'ASH. Donc, j'ai toujours été vers le patient. Maintenant, en faisant la formation d'aide-soignante, encore plus. Et mon handicap, ma situation personnelle, c'est pareil, m'a donné ce petit. Comment dirais-je? Je perds mes mots. Ce petit coup de pouce aussi pour mieux comprendre certaines pathologies. Dans votre équipe, vous êtes à votre connaissance, la seule personne porteuse d'une RQTH, ou est-ce que, encore une fois, comment c'est abordé en général, est-ce que c'est connu quand, Alors, pour ma part, je n'ai jamais été avec une collègue qui avait une RQTH, ou alors je ne le savais pas, mais non, je n'ai pas encore rencontré ce genre de situation. Votre métier, vous disiez, implique notamment du port de charge, des Oui. patients lourdement fragilisés, Oui. handicapés. C'est quelque chose qui vous pose pas de soucis. Est-ce que vous avez eu des adaptations, notamment des propositions de matériel spécifique, comme des lèvres-personnes, qu'on a pu mettre à votre disposition, une formation Alors, quoi, avec un ergothérapeute ou ce type de choses? oui. Alors, au début de notre formation, nous avons un suivi médical très serré. Donc, nous avons une visite chez l'ergothérapeute qui, lui, va évaluer notre degré de
notre degré de difficulté par rapport à la porte des charges. Bien Voilà. sûr. Donc, on est très bien suivi aussi par rapport à notre santé. Donc, c'est elle qui va établir notre difficulté. Pour mon cas, je m'adapte. Je n'ai pas trop de soucis par rapport à ça. On reste toujours dans l'adaptation, hein, on ne va pas faire n'importe quoi, on s'adapte. Et voilà. La médecine du travail joue un rôle particulier pour votre accompagnement ou je Bien suppose que sûr, vous avez eu on est l'occasion de. suivi, hein, on est Vous pouvez, suivi. le cas échéant, si vous rencontrez des difficultés, en parler au médecin du travail qui pourra mettre en Oui, place des préconiser à oui, oui. l'employeur des adaptations. Oui, on en parle à la médecine du travail. Oui, Voilà, il y a s'il y a tout le quoi que monde. ce soit, voilà. Donc, ça, Après, on est c'est une encore à sécurité. oui, après, vu qu'on est encore à l'IFAS, c'est pareil, on peut en parler à nos formatrices. Donc, elles font remonter aussi les infos. Encore une fois, le relais humain Le est relais humain. fondamental. Voilà. Tout à fait. Vous voyez où, d'ici quelques années, donc une fois que vous aurez votre diplôme en poche, d'ici quelques jours, voilà, est-ce que bien sûr, vous souhaitez rester dans le même métier, le même secteur d'activité, Ah au oui. CRM de Mulhouse ou un autre type de structure, par exemple? Qu'est-ce Alors, que. en vue d'un déménagement qui s'effectue bientôt, mais toujours encore dans mon poste d'aide-soignante. Toujours et Toujours. toujours pleine, ce que vous me disiez, voilà exactement, toujours pleine d'envie, Ah d'empathie. oui. Et Avec la même. Oui, toujours encore dans 5 ans. ben écoutez, vraiment, Il y a des choses qui se passent sur l'écran. voilà, c'est vrai que franchement, on aurait tous envie de devenir aide-soignante en vous voyant tellement vous avez l'air épanouie et bien dans votre peau, et vraiment, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions, du Alors, coup. mais vraiment, j'encourage vraiment les Mais personnes voilà. dans le même cas comme moi à se lancer, à vraiment aller de l'avant, Aller à l'information et savoir aller qu'il à y a il y a l'information des également. aides, il y a des structures, il y a des modalités d'accompagnement qui sont là, Oui, qu'on n'est et pas tout passer, seul. voilà, on n'est pas tout seul et vraiment passer par un centre de réadaptation pour accéder à la formation. Voilà. Oui, sur ce centre de réadaptation, c'est un sas d'entrée plus qu'on peut préconiser, effectivement. Voilà. Tout à fait. Plus Tout à fait. adapté. Beaucoup plus Complètement adapté. adapté. Voilà. Eh bien, écoutez, merci infiniment. Je Merci à pense vous. qu'à moins qu'on ait d'autres questions, non, a priori. Je vais remercier les spectateurs qui nous ont suivis en rappelant évidemment que ce webinaire sera de toute façon accessible par podcast et renvoyé de toute façon par voilà renvoyé par mail les questions que vous souhaitez auxquelles vous n'avez pas forcément eu de réponse, vous seront renvoyés par mail. Donc, ce webinaire sera accessible à volonté. Si voilà, vous passez par là un jour et vous dites, tiens, le métier d'aide-soignante m'attirerait, qu'est-ce que je peux faire? Qui peut m'en parler et témoigner vraiment de manière très concrète sur les réalités du métier. Donc, merci également infiniment, Cindy, bien sûr, pour ce témoignage. Merci à vous. Et donc voilà, merci infiniment. Je clos ici ce webinaire.